mon frère, Kowo, ma petite sœur chérie, les bassas sont en train de manger un tour de Njanguit sur les réseaux sociaux, mais Jean, Eddy, du côté du football là-bas, et tu manges le Njanga avec son frère, toujours les bassas. Du côté du Congo, ça là-bas, hein, ma aile de poulet mange le Njanguit avec son frère et sa sœur Dier, pas Siraj et Natorma, toujours les bassas. Maman, ma aile de poulet nous apprend que Natorma est la plus grande vendeuse de piments que le monde n'ait jamais connue. Elle nous apprend que Natorma a 4 lettres. Elle nous apprend que Natorma entretient Panjansang parce que Panjansang la tient. Elle nous apprend que Panjansang est capable de nias avec tout l'entourage de Natorma. Et Natorma ne va rien dire parce que Natorma supplie le mariage. Elle nous apprend que les histoires que Mamoun venait en prix, les chapelets et les bibles là, que ça cache le piment sec. Qu'elle a vendu le piment en Suisse là-bas, les gens la tapaient encore de plus qu'elle est moumou. Qu'elle avait son show là où il partait manger le restaurant. Elle a fini de le nias. Après, elle a fait la passe au propriétaire du restaurant. Maman, elle nous apprend que Natorma est la femme la plus dangereuse que le monde n'ait jamais connue. Elle nous apprend que Pasira, je pense, j'en sens garder les photos d'Adam et d'Ève de notre star. Que notre star, la celle qui avait chanté, que témoigne que Panjansang a un disque dur sur elle. Rien que ses photos en tenue d'Adam et de Eve. Que lui là, qu'il drague tout l'entourage. Il dit Panjansang là. On dit que quelqu'un après de 70 ans, donc lui dans 70 ans là, il arrive à vouloir nias tout l'entourage. Elle dit que elle est prête pour eux. Elle défend sa bosse, elle défend son gagne-pain. Et que là où ils veulent partir, elle va aller avec eux parce qu'elle les a jusqu'ici. Que Panjansang l'appelait à 7h du matin pour commanditer que clash tel. En plus, tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Que là où elle est, Panjansang habite sa part des maisons. Lui-même, sa femme habite sa part des maisons. Que sa femme ne sait même pas ce que Panjansang fait de la vie. La même qui nous disait ici que Panjansang et sa femme ont 2 maisons en Suisse là. Elle a été dit qu'ils n'ont rien. Que c'est d'abord qu'elle mariage, ça, chacun est dans son coin. Le mariage n'est même pas légal. Bref, la famille de ça. La famille de ça. Les amitiés de ça. Non. Mamie Mboma, tu as vu le conseil qu'on t'avait donné, non? De quitter sur ça et les regarder, non? Ils ont beaucoup de linge sale ensemble. Ils t'ont beaucoup traité. Laisse-les. C'est le moment d'ouvrir ton champi. Tu bois. À bisous.